Et bien salut tout le monde, c'est Jerem. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup de Blizzard. Ça fait très longtemps que je dois la faire, je sais que vous l'attendez. Et donc aujourd'hui je vais faire un tour assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer de toute ma pièce. Et vous pouvez voir déjà derrière que ça a changé. Donc je vais vous présenter vraiment où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais mes vidéos, etc. Avec quoi je le fais. Voilà, j'espère que vous serez intéressés. Vous avez toutes les références dans la description, sauf celles que je n'ai plus. C'est pas impossible, il y en a, je n'ai plus. Donc voilà. Et on commence d'abord par cette nouvelle partie. Et oui, vous ne connaissez pas cette partie. Je l'ai montré en fait que sur Twitter après l'avoir changé. Donc avant, je pense que tout le monde se souvient, j'avais un lit en hauteur comme ceci. Et j'ai déplacé mon bureau ici. Hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah tout simplement, j'ai changé mon lit avec un joli mur. Donc il n'est pas impossible qu'à l'avenir, eh bien, je fasse des vidéos avec ce décor parce qu'il est vraiment sympa. Je suis très content du rendu final. Donc, il n'est pas impossible que vous voyez ce décor plutôt que mon décor là-bas. Je pense alterner parce que vraiment, il est cool. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec. Donc voilà, du coup, il y aura certainement... moi, je serai là. Un plan du genre, voilà. Ça peut être très cool et en plus c'est à l'avantage que ça soit où je peux me poser avec, on va dire, un espèce de support pour les objets. Donc c'est quand même très intéressant. On a ensuite mon drone, donc le DJI Phantom 3 Pro. Alors oui, c'est un 3, hein, je rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas. Donc voilà, un drone, j'en suis ultra content, j'ai rien à dire là-dessus. Bah, ça fait plus d'un an que je l'ai, il a eu aucun problème. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de présenter, c'est un drone. Mais voilà, je peux vous dire qu'avec ça, on fait beaucoup de choses. On a ensuite un petit nouveau par rapport à la vidéo setup de la dernière fois, de 2016 même. C'est un trépied donc de la marque Zomei. Vous en avez référence dans la description. Donc voilà, un bon trépied. Alors, il est léger, voilà. Mais il a un avantage, c'est qu'il se transporte ultra facilement. Donc, le désavantage d'être léger, c'est que bien, il y a un gros coup de vent. J'avais tourné une vidéo de drone qui ne verra jamais le jour parce que je l'ai tourné avec un vent. Et le trépied n'arrêtait pas de tomber. Alors, on peut mettre ici un petit sac pour maintenir, mais bon, ça suffit pas, ça reste très 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 léger. On a ensuite ici mon éclairage, pareil, une nouveauté que j'ai eu très récemment. Donc, c'est la marque, je sais plus, vous aurez la référence à la description, je sais plus la référence, vous m'excuserez. Je m'excuse également pour le contre-jour qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, un très bon éclairage, je l'ai pas payé cher du tout. En plus de ça, bah, il est très bien. Donc voilà, le dernier Jerem News et la plupart des vidéos que je fais maintenant en IRL sont éclairées. Par exemple, la vidéo où j'ai fait mes logiciels, pour ceux qui voulaient se demander, j'avais posé le trépied là et puis il était au-dessus. Mais franchement, c'était quelque chose qu'on me reprochait beaucoup, l'éclairage, et c'est vrai que c'était une catastrophe. Et donc maintenant, normalement, il n'y a plus trop de soucis là-dessus. On passe maintenant à la partie setup. Et oui, parce que ça, c'est pareil, ça a énormément changé. Donc, plusieurs choses. Premièrement, j'ai changé de deuxième écran. Maintenant, c'est de la marque HP. Alors, c'est un gros écran. En fait, je les récupère pour que dalle. Et quoi. Mon deuxième écran n'a pas besoin d'être un super écran. Ce que je sais, c'est avoir un écran pratique. Là, il est grand. Donc, je peux caler en général, par exemple, Discord, plus une recherche internet, et puis le jeu sur cet écran-là. Cet écran-là, c'est toujours le même. De la marque BenQ, c'est toujours le même. C'est le GL... 2250, c'est toujours le même. Et celui-là, c'est le HP 2335, mais il est plus en vente. Et de toutes les façons, il est honnêtement, si vous voulez faire du gaming ou vraiment, il est pas très bien. C'est juste que je l'ai récupéré, qu'il fonctionne, qu'il est grand, mais honnêtement, le reste, c'est pas dingue. Ensuite, ici, on a une petite webcam nulle à chier, ne l'achetez pas, de chez Logitech. Je sais même pas la référence, je mettrai dans la description si je la retrouve. Mais pareil, je l'ai récupéré quelque part et puis. Bon, c'est une webcam qui me permet de me montrer pour les lives, mais elle est pas fluide, les remises au point sont dégueulasses, bon, voilà. Et la qualité est très médiocre, mais elle fait son taf et elle permet de limiter la casse certaines fois, et puis de faire, on va dire, vraiment des facecams en live, ça sert intéressant, ou de faire des trucs pour l'Arduino, comme j'ai pu faire assez récemment. Ensuite, on a ici le micro, donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté de ce Noël, donc le NW 700 de chez New Year, très bon micro, vraiment. J'ai pris le pack avec le NW100, donc l'ampli, enfin l'alimentation fantôme. Mais il y a toujours la carte son E10 de chez New Year, encore une fois. En fait, ici, le matos son, c'est New Year. Hein, le micro, la perche, l'alimentation fantôme et la carte son externe son de chez eux. Voilà, mais j'aime bien, c'est pas très cher et c'est très bon. Le rapport qualité-prix est très bon, donc voilà, je crache pas dessus.
On a ensuite ici le casque sans fil, le XPER H9, si je ne m'abuse, de chez Spirit of Gamer. Alors, il y en a beaucoup, quand j'ai fait la vidéo, ouais, il casse au bout d'un moment. Ça fait plus d'un an et demi que je l'ai, et j'ai jamais eu un seul problème. Et la batterie tient très bien, etc. Donc voilà, je devais en faire une vidéo, mais au final, je pense que je vais pas faire de vidéo dessus, parce que il y en a des mieux qui sont sortis, et puis, honnêtement, ça vaut pas le coup. Je vous ai fait l'unboxing, et puis je vous en dis mon avis ici. Donc voilà, et puis là on a le petit émetteur, voilà, la portée est très bonne, il n'y a aucune latence, si vous jouez, etc., il n'y a aucune latence, donc vraiment, un bon casque, j'ai rien à dire. Là on a un petit truc qui se cache, c'est un petit hub USB que j'avais payé, ça je sais plus où, mais pareil, il n'y a pas trop de trucs à dire là-dessus, c'est un hub USB. On a ici mon téléphone, le Sony Xperia Z1 Compact, très bon tel, même s'il commence à se faire vieux, mais pour ce que j'en fais, etc., enfin, je veux dire, aucun souci là-dessus. On a ici ma chaîne Ifi. Bon, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Hein. C'est une Samsung, je sais même plus la référence. Si je la retrouve, je vous mets dans la description, mais je vous mettrai, sinon je vous mettrai juste la marque. Voilà, bon, là, c'est une lampe de bureau bête. Et on passe donc au PC le plus intéressant, je pense. Donc, c'est dans un boîtier Zanma Z9 Plus. C'est une config personnalisée, je l'ai fait sur mesure, je l'ai monté moi-même, voilà. Donc, ce PC commence à être un petit peu vieux, donc on a encore DDR3, c'est un Intel i5 dedans, je sais plus la gêne, je vous la mettrai dans la description, comme je l'ai dit, toutes les références de toute façon sont dans la description. Et donc c'est un Intel i5 très bon, voilà, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. La carte graphique c'est une AMD Sapphire Radeon R9, mais je compte la changer très prochainement. Le refroidissement c'est... et un ventirate de chez Cooler Master, voilà, les Cooler Master sont assez bons. Niveau disque dur, il y a une upgrade, j'ai 2 Tera, normalement tout est de chez Western Digital, donc j'en ai un de 2 Tera, un de 1 Tera et un SSD de 128 Go, où il y a juste Windows et quelques trucs dessus, hein. Je mets très peu de choses, je voulais un SSD surtout pour Windows, parce qu'à la base, eh ben, j'avais pas un... enfin je veux dire les SSD quand je l'ai acheté c'était encore assez cher. Ensuite l'alimentation, je sais plus c'est une combien de watts, il me semble que c'est une 650 ou un truc du genre, Cooler Master également. Et bon, il y a un lecteur de disque de chez Asus, la carte mère de chez Asus. Et niveau RAM, j'ai 4 barrettes de 4 Go, donc j'ai 16 Go de RAM en DDR3, parce que bah, c'est encore un Intel i5, celui-là il était encore en DDR3 quand je l'ai acheté. La DDR4 n'était pas encore sortie, donc voilà. Un bon PC, je fais vraiment beaucoup de choses avec. La prochaine upgrade, comme j'ai dit, ce sera la carte graphique que je veux changer, parce qu'elle commence à être très vieille. Et ensuite, eh bien, je commencerai certainement à changer de proco, etc. Mais pour l'instant, pour ce que j'en fais, c'est surtout la carte graphique qui commence à fatiguer. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de tout mon setup. Enfin, je pense ne rien avoir oublié. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai et je l'updaterai à la description. En tout cas, en parlant de description, vous avez toutes les références que j'aurais retrouvées dans la description. Comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai. Et puis, pour ceux qui se demandent, je vais également update mon à propos de la chaîne, parce que oui, le à propos de la chaîne est un petit peu vieux. Il ne correspond plus vraiment à ma config. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss !